mon téléphone affiche moins 3 degrés ce matin. C'est vrai qu'il fait très frais. Mais qu'est-ce que c'est beau. Vous le voyez là-bas, le dégradé de pêche. C'est vraiment comme ça. C'est l'heure de se réveiller, mon Jackie. Et d'aller manger la croquette. Je le vois, ton petit œil, hein. Oh, t'es KO, toi. Salut à tous. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je viens d'enfiler ce gilet qui est en train de sécher près du radiateur. Et sur ma peau, c'est tout chaud, qu'est-ce que c'est bon, c'est vraiment le kiff. Sinon, aujourd'hui, au programme, je vais devoir enfiler de nouveau ma tenue d'hier, la petite robe et tout, pour tourner la gambette, je pense que ce sera pas mal pour mettre en avant les deux collants, plus le petit bijou. Éventuellement une deuxième box si j'ai le temps. Et je vous avais dit que j'allais vous faire découvrir un nouveau produit que j'avais reçu. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je vous montre pas mal de choses, mais c'est la période de Noël et les marques m'envoient pas mal de produits à tester. C'est pour les débutants, il s'agit en fait d'un kit de manucure pour faire du gel. Et quand je vous disais que ça allait me changer la vie, tout simplement parce que je fais beaucoup de close-up, je montre des articles hein, en vidéo, et j'ai un problème. C'est-à-dire que mes ongles, dès que je mets du vernis classique, le vernis il s'écaille au bout de quelques heures, ou alors enfin, ça ne tient pas et mes ongles se cassent. Enfin, c'est vraiment pas joli quand on fait des gros plans. Et aller faire de la pose de gel déjà à force, ça coûte cher, j'ai pas le temps et tout. Donc si je peux avoir la possibilité de le faire chez moi et que ça fonctionne, ça va me changer pas mal de choses. Avant de commencer à tourner, j'aime bien manger. Je me suis pris donc ce sachet, je l'ai mangé et on va dire qu'au milieu, donc j'en avais déjà pas mangé pas mal, le piment est arrivé. Je m'en étais pas rendu compte. J'espère que ça va pas trop me bousiller et que ça va pas trop me faire mal. En même temps, c'est du couscous. J'aurais dû m'en douter un petit peu quand même. Je monte, je me change et je tourne. Ça y est, je viens de remettre ma petite robe. Par contre, j'ai pas mis de collant. J'ai une dégaine, j'ai pas de collant et j'ai des chaussons. Je vais pas mettre mes collants parce qu'il faut que je les présente d'abord et tout. Voilà, j'ai un peu froid quand même. Je pense à ça, je vous ai parlé hier de la bougie, ma jolie candle. Je vous dis tout. Non, je sais pas que je vous dis tout. C'est que je suis honnête avec vous. Quand on reçoit ce genre de produit, notamment sur Octolib, il y a des normes à respecter. C'est-à-dire qu'il faut dire à haute voix que ce produit nous a été offert gratuitement. Il y a des choses à dire précisément. Et donc moi, au moment de soumettre ma vidéo, ils m'ont dit de la revoir. C'est-à-dire que comme je ne l'ai pas brûlée, ah oui, tu dois la brûler. Et j'avais pas dit peut-être... Enfin, il y a des choses que j'ai pas précisées, donc il faudra que je refasse. Dans quelques jours, c'est pas grave. De toute façon, je comptais l'allumer et puis voir avec vous. Mais sachez que si à chaque fois on dit qui nous a été offert gratuitement, c'est que nous n'avons pas le choix. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, on est sur la partie où je vais faire des gros plans et on voit mes mains. Donc c'est quand même indispensable que mes ongles soient toujours plus ou moins bien faits, quoi. Là, c'est l'un des deux collants. On voit que c'est très très fait avec des petites fibres dorées. Bah, vous me croyez si vous voulez. C'est très physique de tourner ce genre de vidéo. Mais bon, je pense que ça va être pas mal, le résultat. Ah, voilà, le tournage est fait, mais regardez. Ils sont... Salut à tous, c'est Caroline. Il y a comme un sacré décalage entre la voix et l'image. Je vais essayer de rectifier tout ça. Nouvelle tenue, nouveau look, j'ai terminé. Ça y est, c'est en ligne. Elle est pas mal, elle est courte, mais elle va être pas mal. J'ai décidé que j'enchaînais, que j'allais faire la box Emma et Chloé, comme ça me fera deux box dans la journée. Le kit de manucure, c'est pas gênant, je vous le fais ce soir, j'ai pas besoin de la lumière naturelle, alors que pour tourner les vidéos, bah si. Et il est déjà 3h, 3h et quelques. Donc je vais y aller. Hey! Ça y est, oh, ça c'est de la coiffe. J'ai eu du monde qui est passé, j'ai eu des coups de téléphone, mais j'ai quand même réussi à faire ma deuxième vidéo et j'ai bien fait de le faire parce qu'il commence à faire hyper sombre. C'est cool, ça fait du bien. Elle n'est pas en ligne, mais c'est quasiment fait. Par contre là, ça va plus du tout. Il faut que je visionne maintenant. On nous informe que ce mois-ci, la box est en collaboration avec Pauline Cléa. Vous savez comme j'aime pas ça. Il faut que je sorte, il est 5h passé là. Ah non, non, il faut absolument que je sorte, même si caille à fond, j'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu des croquettes, j'en ai mis il y a une demi-heure. Non, stop, tu t'arrêtes. Oh, tiens, en parlant de ça, faut que j'aille à Jardiland, il n'y en a plus. Demain soir, il n'y en aura plus. Oh là là, flemme d'aller à Jardiland. Bon, ok bébé. Dès que maman a fini aimer sa vidéo, je vais aller chez Jardiland. J'aurais voulu sortir marcher, quoi. Parce qu'en voiture, ça fait pas vraiment sortir. Ah, tu peux m'en faire des kili-kili, hein?
Est-ce bien raisonnable de sortir maintenant? Wow. Pressé de voir la fin des énergies fossiles être inscrite dans un accord international sur le climat. Ça y est, je suis sur le parking de Jardiland. Vous pensez que le petit chat il va être là? J'espère. J'aimerais bien le voir en mouvement, se balader dans le magasin, ça peut être drôle. Bon, faut pas que je m'éloigne de mon objectif quand même. Je suis censée acheter des croquettes pour Jackie. Regardez comme ça caille. Bon, avant d'aller chercher mes croquettes, on est d'accord que je vais aller voir Roger. Ouais, je vais l'appeler Roger. Toujours aussi beau ici. Ouais, bah, je crois qu'il est encore là, le petit gars. Gros toutou. Ils ont mis un petit panneau expliquant la situation de Milou, du coup, surnommé Kiki. J'adore. J'ai même mon propre collier aux couleurs de Jardiland aussi. C'est classe, n'est-ce pas? Mon petit bidou. Je vais passer vite fait à Inter. Il me manque 2-3 trucs pour être plus ou moins tranquille, je vais dire, ce week-end, bien que ça se trouve dimanche matin, il faudra que j'y retourne. Eh, mais si, j'ai mes patates douces à faire, en fait. Ouais, je vais faire ça plutôt. Il me faut du café, j'en ai plus. J'ai de l'espresso, mais moi, j'aime celui-là. Le grand dé pour le matin. Ils font des thés super sympas. Moi, j'en prends pas de thé. Je prends que des infusions, mais tous les packagings, on est d'accord, ça fait envie. Regardez-moi, la petite crème caramel. Super sympa. Regardez, j'avais pas eu celui-là non plus. Bonjour. Oui, des produits? Oui. Si c'est pas autorisé, je le fais pas. Hein. Bah, ça fait un moment que je fais ça quand même. Voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Le videur m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai expliqué, donc il sait pas si c'est légal ou pas. Oui, il était super cool. Hein. Maman, elle a acheté des nouvelles croquettes qui coûtent un bras. Oh, oh là là. Moi, c'est ma veto qui me conseille. Tu permets de prendre Royal Canin. Super, donc pour les chats à l'intérieur, tout ça. Vous savez combien ça coûte? 28 euros. Le sachet. 20, je sais plus. 24 ou 28. Bref, ça coûte super cher. Mais voilà, ils mangent que ça, donc autant que ce soit quelque chose de correct. J'ai pris du papier comme ça. J'avais envie de fish and chips. Ça fait longtemps. J'adore ça. Avec celle-ci à faire au four. C'est des côtés brasserie. Elles sont incurvées. Elles sont très bonnes. Je me suis pris un petit peu de coriandre frais. J'adore ça. Normal, hein, ça va tellement vite. Mon jus de carotte. Et c'est tout. C'est le moment où je craque. J'ai envie de gâteau apéro. Et ce soir, bah, je vais me faire fish and chips, hein, je crois. J'attends un peu, hein, mais on se mettra là pour faire les ongles. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester là? Parce que moi, je remonte là. Hein. J'ai pas terminé de travailler. Maman va pas manger tout de suite, chat. Ah, qu'est-ce que t'as? T'es triste? Hein? Il était triste, mon Jackie. Bon, oui. T'es gentil, garçon. Oui. Demain, on va goûter les nouvelles croquettes. J'ai changé d'avis concernant le menu. Je vais pas faire les fish and chips, ça va être trop long. La petite tarte comme ça aux chèvres. Et j'ai ressorti mon appareil pour couper hein, les légumes, tout simplement. Je vais me faire mes carottes râpées. Je vais faire la mâche aussi parce que c'est jusqu'à demain. Et je rajouterai un petit peu de coriandre. J'ai dû me tromper parce que ça fait pas vraiment carotte râpée, ça. Bah, pourtant, c'est le schéma de la carotte. Ok, je me suis trompée. C'était celle-là, en fait, la râpe. J'allais oublier, j'ai mes petites endives aussi, je vais rajouter ça. Ça y est, j'ai terminé de manger. Je vais passer au kit de manucure, je vais me poser devant la télé. Je vais vous le montrer en accéléré comme je disais et après bah, vous verrez de toute façon les résultats et je vous expliquerai un petit peu tout. Alors déjà j'ai reçu cette grosse boîte, à l'intérieur il y a la machine pour venir catalyser le gel. Je l'ai reçu, hein, ce produit gratuitement par le biais d'Ivancy et de la marque. Il y avait également cette boîte avec à l'intérieur plein de produits. On a bah, tout ce qui est lime, ça c'est quand on veut faire la French manucure. Un petit kit avec des petits strass, ça peut être sympa.
C'est pas des vernis, hein, c'est les bases, top coat. Là, on a trois petits vernis. Par contre, ils sont tout petits. Là, on a encore une base. On a un framboise, un blanc et un rose très pâle. Donc, le rose très pâle, c'est ce que je vais mettre. J'adore ça. On a une petite brosse. Ça, c'est pour couper, je pense, les petits pots. Ça, c'est pour intercaler. C'est quand on fait pédicure. Tout plein de cleaner pour enlever, je pense, tout ce qui est huile et résidus sur les ongles. Un petit kit comme ça de perles. Pareil, je pense que ça doit être pour décorer les ongles. Plein de lime, comme ça. Et des petits bâtonnets, c'est pour tout ce qui est cuticules, pour repousser les cuticules. Voilà, donc c'est très complet. Et bah, je vais faire au fur et à mesure un petit peu les étapes, comme ils le disent, quoi. Et ben vous savez quoi, je suis très contente du résultat. C'est tout dur, ça fait hyper net. Moi j'ai pris la couleur la plus claire, rose tendre. La prochaine fois j'ai resserré plus foncé, mais regardez, c'est exactement ce que je voulais. Ça fait net, ça fait propre. Quand je vais faire des gros plans maintenant, ça fera super bien. Je suis hyper contente d'avoir ça à la maison, ça va vraiment changer plein de choses. Sur ce, je vais vous faire un gros bisou. Je ne vais pas vous dire à demain, mais je vais vous dire à lundi dans un nouveau vlog. Salut.